Say what? Salut, c'est Néo. Aujourd'hui, petite revue, sympa, suivez-moi ça, vous allez vous régaler. Hey, salut, c'est Néo. Aujourd'hui, nouveau décor, mode été, mode Tour de France. Mode parfait, mode on est trop bien. Lunettes de soleil, parce que bah, bien sûr, soleil, autrement, je suis comme ça, parce que j'ai des yeux très clairs. Quoi. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler d'un mode de chez Smoke, le Fury S. Le Fury S, petit mode méca. Donc nous allons le voir en détail. Alors, à l'intérieur, nous avons donc son tube 18650. Il existe aussi en 18500. Moi, je l'ai en 18650. Donc la boîte se présente comme ceci. Vous avez le tube, vous avez le petit, cette petite chose blanche, cette petite pièce là est un fusible 7 ampères en fait. Quand vous mettez votre mode, votre ato, si vous avez fait une résistance trop basse, il va pouvoir faire son travail, donc le fusible. Avec à l'intérieur, vous avez aussi en même temps les pins haut qui sont sur ressort des deux côtés, libres tous les deux. Donc ça, c'est parfait pour que votre atomiseur soit flush dessus. Et le switch est aimanté. C'est un switch aimant, magnifique, super bien. La petite chose en plus qu'a fait Smoke, c'est la petite bague de lock en fait. Donc en un seul quart de tour, hop, 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 vous pouvez bloquer ou débloquer votre switch aimanté. Ça, c'est un petit truc qu'ils ont fait en plus par rapport aux autres modes, je trouve ça très 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 bien. Que dire de plus, ce mode est très beau avec sa petite tête de mort dessus, belle gravure. De l'autre côté, vous avez le smoke, la gravure du smoke, les trois petits trous d'aération en dessous. Petite inscription derrière by Smoke. Que dire de plus? Rien d'autre. Ce mode est parfait. Bonne journée et bonne vague. La vape en direct du Tour de France, mon petit. Regarde un peu. Edus, Efi, vive la vape libre. C'est ça un petit peu la France, mon petit. C'est parti. Rayon, je t'évite quand je jette un cadeau. Le rayon... Au rayon, je t'ai fait une casquette Carrefour qui est trop petite pour ta tête et trop petite pour la tête de tout le monde. Voilà, c'est le Tour de France, c'est comme ça. On est bien parti là. Alors, pas un bout de cochonou, pas un stylo. Juste une pauvre casquette Skoda, toute pourrave en plus, toute dégueulasse. Non mais sans déconner, on se fout de notre gueule. On se fout de notre gueule. Le mec, il passe, il a plus de 120 km/h, il jette un stylo et te crève un œil, le mec. Il te crève un œil. Je te dis, moi, c'est plus ce que c'était. Je crois que je vais faire le Giro l'année prochaine. Heureusement, on peut vaper librement. Ah, en direct live du Tour de France. Il y a trop de monde pour que je dise la vérité, mais à mon avis, ils prennent pas que du sirop. Du sirop Tessart qu'on a eu, hein. Ouais, voilà, ouais, on a eu dans la gueule. Dans la gueule. La fille qui est passée à 120 km/h, qui nous a jeté un berlingot dans la tête, plat, comme ça, là. Je t'ai pris là. C'est pour ça que je suis tout rouge. C'est pas un coup de soleil. C'est pas un coup de soleil. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est le berlingot, là, dans la tronche, là, direct, à 120 km/h, là. Boum, clac, le stylo, dans l'œil. Say what?